Yo l'équipe, c'est Raptor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui, un glitch qui va vous permettre d'être invisible en illimité avec la toute nouvelle grenade ténébreuse. Avant de démarrer le tuto pour le glitch, n'oublie pas de lâcher un maximum de pouces bleus pour m'aider, pour me soutenir et me mettre dans les recommandations avec les recherches YouTube. Également, je vous affiche maintenant à l'écran le code créateur Raptor avec 3O dans le but de m'aider un maximum. Mettez-le dans la boutique, achetez des petites choses si vous le voulez et ça va me permettre d'avoir un petit peu d'argent dans le but d'acheter du matériel de qualité à l'avenir sur ma chaîne YouTube. De plus, ça va éviter de nuire à la communauté, notamment en arène, puisque la grenade, elle est complètement cheatée. Et ça pourrait être énorme, surtout en arène, si jamais vous êtes invisible en illimité. Bref, du coup, on va directement passer à la manipulation. Également pour le glitch, il faut savoir que je vais vous montrer comment le réaliser en créatif. Bien entendu, pour l'instant, avec le online, je n'ai aucune idée si jamais il marche ou pas. Mais en tout cas, si jamais dans les prochaines heures, vous avez des informations par rapport au glitch, si jamais il marche en ligne, je vous invite à me dire dans les commentaires. Et franchement, je vous déconseille de le faire. Si jamais il marche, ça pourrait vous éviter quelques petits problèmes, comme le bannissement. Donc, pour devenir invisible, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Vous utilisez la grenade, votre ennemi vous tue. Au moment où vous allez réapparaître, vous serez invisible en illimité et vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez donc construire, vous allez pouvoir faire vos 90 degrés, vous allez pouvoir tirer sur n'importe qui, vous allez pouvoir faire vos doubles sauts. Il n'y a aucun problème, après vous pourrez réapparaître à nouveau et vous pourrez quand même continuer à jouer en étant invisible. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, notamment en créatif, vous allez enfin pouvoir refaire des trolls à nouveau. Bien entendu, avec la toute nouvelle grenade, vous n'êtes pas épargné des dégâts de chute. Du coup, attention si jamais vous jouez avec vos potes, de ne pas tomber d'une hauteur pour mourir. Également, avant de terminer la vidéo, je vais me le répéter une nouvelle fois, je vous déconseille de réaliser le glitch en ligne si jamais il marche. Bien entendu, je vous tiendrai quand même au courant dans les commentaires par rapport à toutes les nouveautés. Nous n'avons encore aucune information par rapport au online si jamais il marche, si jamais on peut le réaliser juste en étant réanimé avec un ami ou alors s'il faut le faire avec un van de réapparition. En tout cas, merci à vous les potes d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à lâcher votre petit like, également le petit code créateur Raptor avec 3O. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. C'était Raptor, ciao.